Bonjour à tous. Voilà, nous voilà repartis après une très belle nuit dans la sacristie de l'église. Et c'était une église très apaisante et très calme. Tout ça grâce à vous, monsieur l'abbé, l'homme et madame Françoise. Je vous remercie infiniment pour nous avoir permis de, on peut dire ça comme ça, vous nous permettez de continuer notre aventure. Un grand merci à vous. Donc aujourd'hui, direction le lac de Segor, nous allons rencontrer Fabi et Dominique son mari, et puis certainement Loulou, hein, Loulou le chien. Et aujourd'hui, on dirait que le temps est un peu plus calme. Vous voyez, je le vois à la forêt est très calme. Et pas de vent, il fait pas froid. Les conditions idéales pour marcher. Elle est pas belle la vie. Alors je vous souhaite une très belle journée. Gros bisous à tous, à tout à l'heure. Bon, ça va être une étape classique avec une vingtaine de kilomètres de ligne droite environ sur la vélo Odyssée. Alors je voudrais dire quelque chose aujourd'hui parce que hier c'était pas faisable dans l'église et puis avec le mauvais temps. Alors je sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, c'était un reportage de TV Vendée et j'espère que vous avez aimé. Mais je voudrais remercier sincèrement Philippe, la personne qui a fait le reportage. Il faut savoir que des reportages comme ça, ça ne doit pas être donné au niveau argent. Et il nous a fait ce reportage gratuitement pour la cause. C'est une personne très généreuse et professionnelle aussi, parce que ce reportage il représente beaucoup sur ce que l'on fait. Bien entendu, ce reportage n'aurait pas été également réalisé si je n'aurais pas eu Marie-Noël qui l'a contacté. Marie-Noël, c'est une pèlerine que j'ai connue, que nous avons marché ensemble d'ailleurs pendant plusieurs jours, et que l'on voit sur la vidéo. C'est elle. Sans elle, on n'aurait pas pu avoir cette jolie vidéo. Donc je te remercie également, Marie-Noël, et j'espère que l'on va bientôt se revoir. Donc, encore merci à vous deux. Vous êtes des personnes exceptionnelles, je le dis sincèrement. Alors nous sommes partis de Mouliès, Emma, nous avons descendu ici. Voilà, je suis ici à l'entrée de Messanges. Je descends encore ici. Je vais toujours descendre pour rejoindre ici. Alors nous allons rejoindre probablement
Fabi et Philippe et Loulou, ici sur la plage, là, en face du grand étang, là. Mais normalement, Fabi devrait nous rejoindre ici, quelque part, sur la voie de Compostelle. Alors ici, c'est la voie de Compostelle. Alors, nous sommes ici, mais on va pas prendre la voie de Compostelle parce qu'elle passe dans les bois. Et Françoise nous a déconseillé de la prendre parce que c'est pas encore nettoyé. Il y a encore des branches en travers. Donc aujourd'hui, on va jusqu'à l'étang là. Ensuite, nous allons aller jusque ici à Anglette. Ce sera notre point final de la descente. On y sera probablement lundi. Et là, ce sera un virage à 90 degrés. Eh bien, direction Lourdes. Et dès là, on prendra, alors, Oloron-Sainte-Marie, Lourdes, tout ça, c'est la voie du Piémont pyrénéen jusque Béziers. Voilà. Puisqu'on vit dans la même lumière, vieux beaucoup les bas. Un petit coucou et puis un petit au revoir parce que je vais arriver à Seignos. Je devrais rencontrer Fabi et Philippe et Loulou. Normalement ils devraient déjà être là sur le chemin, mais je ne les vois pas. Mais bon, il faut dire aussi que ça fait un moment qu'il pleut, alors bon, la vidéo elle va être courte. Je vais donc vous laisser ici. Et je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vais attendre Fabi et puis j'espère. On devrait la rencontrer pas loin, mais je sais pas trop où on va la voir. Donc voilà. Donc alors. Bonne soirée à vous, ici Francis le Pèlerin, à vous connaître que j'ai.
la plage de Seignos. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment, si les enfants sont tous.